environ 6 fois, ils ont tenté de causer des manifestations. Pour qui ça? Je ne sais pas. Mais au final, qui ça a dit tête comme bilan? C'est la tête de tu comment est? Eh bien, nous, là, Romanes, nous saluons le professeur Midas. Et c'est toujours un plaisir pour nous parler sur le groupe de Tonton Radio. On a regardé là, nous, qui bilan manifestation au Kaila Sintabdil Kota? L'homme dit bilan, pas en termes de monde qui blessé, monde qui mourit, mais en termes de quantité de monde qui dehors et façon nous faire passer ce message-là. Eh bien, nous avons dit bilan très, très positif, puisque son manifestation au départ, malheureusement, j'aime le dire, il y a quelques bandits à cravate qui dévelaient. Et ça m'a pression pour que la manifestation n'est pas faite. Et que je te dis que nous ne pouvons pas mettre les pieds dans nos cailles. Et sans ça, moi, je pense que peut-être que ça reçoit. Il n'y a pas de manifestation du tout, soit on va attendre que ça nous a dit. Mais de toute façon, nous te dit que la manifestation, c'est pour la sécurité et la vie chère. Un bon exemple pour Vanessa. On s'accime dans le sud, vend actuellement 250 $. Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Oui. Mm-hmm. 260. Alors que dans le pays, vous arrêtez ou arrêtez dans 200 $. Donc, regardez la différence sur un seul bruit dans le pays, côté que nous tous vivons, grâce à une route qui est bloquée. Et puis, et par rapport à une route qui est bloquée, il pourrait prioriser dans le niveau sale. C'était contre la sécurité, la vie chère. Et nous avons dit au départ, il y a eu une pile provocation depuis sous place là. Mais heureusement, Mounio était venu en foule. Et même Jean Hinch, c'est que Mounio arrivait, eh bien, gagnant et majorité à côté que ça a quitté la provocation à Voywatch qui était minime. Et comme de fait, pendant 2h30, nous défilons dans la ville là avec vraiment, donc à dire, et des milliers de monde qui ont même été répondre à l'appel et qui ont rejoint nous pendant tout le parcours là. Et nous sommes arrivés sur place là pour nous délivrer le message là. Nous remercions le sénateur Salomon, OPL. Qui était avec tout le groupe ça, qui était recevoir nous, qui ont même, bien malgré toutes les nations qui étaient là, et différents membres qui étaient présents, députés Radio Omega, et d'autres qui étaient là, et organisations de base dans Okaï, qui ne prennent aucune provocation, et qui étaient fait marche là avec nous de façon pacifique. Nous remercions la police, tout, le commandant département, qui ont même, et bien, côté de l'OTEA, ils ont été venus, ils ont demandé nous qui ça nous besoin. Et nous faisons toute route là avec eux. Donc, moi, je crois que la police montre que l'un des moyens, l'un des volontés qui ont fait le job là. Et moi, je remercie surtout mon Okaï qui s'est campé des deux côtés de la route, qui t'a envoyé même à nous, pour dire nous, qu'est-ce qu'il y a là, pas la guerre, bien pression, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'il y a là, parce que nous voyons que l'intrépidité nous fait que vraiment, marche là, il existe. En gagne tête, non, si on manifestation a fait pour demander de bloquer Matissan, contre mauvaise gouvernance, contre la vie chère, et comme on a décidé de craser. Qui est-ce qui est derrière le monde qui supportait Matissan bloqué, ou bien le monde qui a investi dans bloquer Matissan, le monde qui n'a pas pouvoir, côté le sorti, mais ça. Radio Omega. Je dis à le monde qui n'a pas pouvoir, c'est clair, parce que le monde qui était campé sur audio, il a dit que le monde qui n'a pas pouvoir, il n'y a pas de job, il n'a pas de demander pour y aller. Moi-même, moi, ouais, personnellement, j'étais campé en facio. Ils ont dit que je dis à défendre paix quotidien. Non, ça c'est mon pouvoir. Il ne faut pas passer par ça. Mais moi, je suis toujours père, et n'a pas au loin. Et là, pouvoir parler que manifestation. Mais d'ailleurs, ils ont fait un pile démarche, ils ont une délégation. Hein? Ils ont une délégation où ils ont dit que bientôt il y a fini. Et la veille de manifestation, ils ont dit que ils ont joué un équipement. Ils ont équipement pour des romanettes que. Je dis qu'il y a une autorisation, je vous dis qu'il y a une autorisation. Hein? Et je dis qu'il y a un équipement pour 12 millions de dollars. Alors que comme ça, pas de budget, je vais toujours demander de mettre 3 milliards de gouttes pour la police. Il hein? Y a 12 millions de dollars qui a débloqué pour acheter l'équipement. Bon, nous n'avons pas de problème. Il y a un effort qu'à faire. Mais cependant, tout effort, ça, c'est que, ouais, il y a des cas que des cas créent des manifestations, si il y a des cas découragés. Mais malgré tout, il y a un même, je dis, les youés à quoi, dès que le travail a fait, il y a quoi, et il était présent sous béton, et il répond à l'appel fin à des mouns qui étaient roche dans mes yeux, qui étaient couteau, qui étaient tout l'autre bagaille, qui étaient dit que manifestation va faire, et moi-même, moi, j'identifie clairement à moun qui, dans le pouvoir, qui voyait mon saïo venir pour que manifestation va faire. Pendant le passage là-bas, sénateur la torture, rencontré avec des mouns qui
soit dans sécurité hein, puisque c'est ça comme cheval bataille sécurité et que dans grand sud là même gade moun ka bataille pour sécurité ou bien pour empêcher que zone yo gangsterisé soit commissaire gouvernement soit la police ou rencontrer avec yo ou yo comprendre idée ou partager qui ça avec yo Radio Omega dans tout côté malin l'idée de plan sécurité là moi partager là tout le monde de bonne volonté qui voulait vraiment que eh bien nous y ait sécurité dans le pays. Moi parler en pile commissaire gouvernement donc on est bien commissaire qui font un bon travail au CAI et bien commissaire Muscadet tout qui a pile courage quand travaille dans Miraguane. Donc moi-même personnellement moi j'étais ouais un commissaire Muscadet pour que moi dise que travail à faire son travail correct nous partager quelques points de désaccord que nous avons et moi dire à partir de l'expérience soin mais comment que moi ouais plan sécurité mais comment le déca travailler lui-même tout puis partager des accords la même et après nous venons entendre toutes questions plan sécurité parce que les gars de bonnes idées tout approche surtout et seulement pour nous rectifier ça nous-mêmes entre nous nous penser que nous devons rectifier mais moi quoi que c'est un monde qui a volonté son monde qui a courage son monde qui mobilise 24 sur 24 pour que les fait travail là et moi je pense que c'est un très bon échange pour le pays parce que nous avons besoin pile monde comme ça qui a capacité qui est tenté donc pour améliorer le travail à faire d'après certaines corrections pour que yo fait beaucoup mieux mais surtout avec un pile courage pour protéger la population moi j'ai courage j'ai ténacité j'ai volonté et ça c'est le premier bagage pour nous et pour nous garder qu'ait tout dirigeant courage, capacité, et volonté pour nous couper fâché avec nous. C'est le premier bagage pour nous besoin dans le temps ça. Et je pense que le commissaire Muscadet a fait montre de ça. Et moi, vraiment, moi, content, moi, expliquer légalement le plan. Et je pense que fort, dans tout pays, dans toute juridiction, nous avons des gens qui ont courage, ténacité pour combattre le bandit. Après le Grand Sud, ou bien après le Sud, qui côté n'a pas tête nous là, qui prochaine étape, qui l'a fait l'autre bagage? Prochaine étape, nous, dans le Nord, la brise capaïtienne. Mais jeudi 30, et toujours avec même volonté pour nous dire à bas insécurité, à bas la vie chère, à bas corruption. Et nous avons besoin des dirigeants qui prennent des décisions pour gouverner le pays. Nous avons besoin des dirigeants qui ne sont pas lâches. Nous avons besoin des dirigeants qui ont courage. Nous avons besoin des dirigeants qui coupent fâchés avec bandits. Et c'est ça nos besoins. Et nous avons besoin des dirigeants qui disent que ces bandits ont peur, la population n'a pas peur. C'est ça nos besoins. Et nous avons continué à dire. Et nous disons Ariel, s'il pas prend responsabilité de ça pour que rapidement nous ouais que il passe à l'action et bien dans ça c'est pour le rassemblement qui va être à blanche parce que nous pas besoin des monde qui l'a pour contrer nous besoin des monde qui a pris responsabilité quand pour commissaire et gouvernement Muscadet commissaire Richemont dans le sud moi quoi c'est deux bons exemples que moi même m'encourager moi dit nèg yo kembe là et moi même m'a toujours là pour conseiller yo pour dire exactement et partager connaissance avec yo et nous besoin pile l'autre exemple comme ça qui pour juridiction ça yo chasser tout bandi et que bandi pas arrêter là dedans et sous yo chasser yo dans toute 18 juridiction yo moi penser que pays a bon souffle parce que nous gain 18 juridiction kage commissaire gouvernement gain commissaire gouvernement gain une mot que nous m'a dit transformer en antigang hein d'ailleurs Muscadet des îles d'édition bal 500 nèg et bien il y a travail qui a fait moi pour que si on transformer une boyo en service antigang au lieu d'une mission préventive je viens une mission répressive moi pour que commissaire gouvernement m'aider à la police travail la fait et la fait bien parce que il y a volonté il y a courage et ça surtout m'apprécier gagner en gros capacité volonté pour nous couper fâché avec bandit. Et c'est ça qui est important avant tout. Et c'est peut-être ça, ou au niveau national, ou bien problème ça. Gouvernement, ça n'a pas une volonté pour couper fâché avec bandit. Son gouvernement, ou est-ce qu'il a tété langue avec bandit. Radio Omega. Et bien, ou après, on va pas réagir. La police, là, paraît faible. Et il y a l'autre monde qui a pensé qu'il y a plus de pouvoir que la police. Et travaille là, pas qu'à faire. Bangade avec ou pendant que dans le sud, des sénateurs la tortue, Port-au-Prince t'es chargé, moun tout te prend direction tabac, allemand de Aristide pour diriger transition et remettre ton clé symbolique qui c'est clé pays. Quand on pense ça qui arrive? Radio Omega. Bon, écoute, et puis on prend la rue, vous dit, à bas insécurité,
à bas la vie, le pays à bas diriger. Nous-mêmes, nous allons nous donner la ouïe. Nous-mêmes, nous lançons appel et c'est toute partie politique qui a réveillé pour que vous retirez la population dans le niveau que nous y a. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, tout le monde connaît. Pas de aucun parti politique qui a venu gérer la transition. Hein? Ou pas qu'à demander un parti politique qui vient gérer la transition. C'est quoi la transition? Transition, c'est créer un climat de sécurité, créer un climat pour la population, les mêmes qui n'ont pas qu'à occupation, et puis demander à l'élection. L'homme de l'élection, c'est pour la choisir parmi les partis politiques. Mais si vous avez un leader parti politique géré la transition, ou pas une élection malachon, côté qu'on va avoir une crise d'abord. Donc, la transition doit être faite avec des mondes qui ont des partis politiques, qui gagnent justement mission pour que eux-mêmes organisent l'élection pour les partis politiques, pour que eux-mêmes, les partis politiques, puissent participer et le ça. Si l'élection passait bien, que le parti politique a gagné pour l'accepter, que le perdu pour le diriger. Mais on ne peut pas demander un leader, un parti politique, pour que Bébin prenne président de transition. C'est où mettre dans la crise, parce que l'État, on va le gagner en face de tout l'autre parti qui ne peut pas accepter que le prenne l'État pour le venir servir à elle, pour organiser l'élection par. En regardant tête nous connait démarche qui a fait yo rencontre madame Lalim et que ambassadeur français Kala Kaili et dernière c'était Ariel Henry ça passe à bousquer là et madame Lalim ambassadeur américain tout le monde a rencontré nous écoute bon moi même j'ai des monde qui a exploité dans le sens que yo fait bruit bruit que yo va arriver au pouvoir bon moi même c'est tout le temps comme ça, il y a un mensuel ou bien parce qu'il doit adhérer. Et puis, deuxièmement, il y a un monde qui a pensé, il y a un autre qui a critiqué le fait que nous ne sommes pas d'accord avec Mme Lalim, nous ne sommes pas d'accord le fait que c'est étranger qui a mis le pouvoir. Et puis, on sait nous, et puis nous bouillons, donc pas de problème, laissez nous, laissez Ariel, bon problème. Non, pas là comme ça. Là, c'est que nous devons être d'accord que la solution doit être haïtienne. Si nous avons une relation avec la communauté internationale, là, si vous venez pour vous parler, vous dire exactement que ça qui n'est pas bon que vous faites, et c'est ou même d'après, il doit avoir un rôle dans notre crise là. Mais vous n'avez pas rien pour vous péter le monde au pouvoir, vous n'avez pas rien pour vous allouer le monde pour vous dire que le monde n'a pas de pouvoir. Et ce qui n'est pas bon pour Ariel, il va être bon pour pièce leader politique, parce que le monde va rester sur le fait que des étrangers qui ont mis au pouvoir tout. Mon étranger peut être au pouvoir, nous voyons côté arriver, puisque les ça, c'est des présidences et où il y a des gouvernements de doublure. Donc, moi, je pense que les deux bons temps, même gens, ils ont rencontré AA, ils ont rencontré OPL, que même la communauté internationale, ils ont rencontré d'autres leaders, ils ont demandé certains conseils et en fonction déjà agi. Mais moi, je crois que nous tous sommes d'accord que vous ne savez pas dire aucun droit, pour que c'est eux qui t'a désigné moun ou bien fait tweet. Mettez bon, parce que ça nous te reproche Ariel là, nous ne pouvons pas nous-mêmes rentrer là-dedans. Et ces positions, et toujours ouvert pour nous rencontrer eux, le rencontrer eux, nous-mêmes, et à nous choisir pour que nous considérions que c'est des rencontres privées, c'est des rencontres qui n'ont pas gagné autant d'importance pour nous que si nous-mêmes nous manifester avec le peuple là, parce que le souverain, c'est le peuple. Monde qui baille pouvoir et peuple là, c'est de gagner toute importance. Radio Omega. Donc, toi, les sénateurs, mais on dit nous que Famila Valastena à Comontana, les juste sautés à Comontana, et que Aristide veut qu'on ait un peuple là derrière pour demander et venir diriger transition. Est-ce que je ne peux pas dire ça, aller tout poter, aller tout à Comontana en partie? Radio Omega. Non, bon mot, d'accord, dis-moi, le peuple là derrière, le peuple c'est qui, c'est quoi? Non, je ne peux pas parler de partisans, les. Ah oui, partisan d'elle, parce que le peuple, c'est ce peuple qui était au Bonaïve avec moi, c'est ce peuple qui était à Inch avec moi, qui était au CAI, qui parle au CAI, et qui parle contre le prince avec nous. Donc, nous devons ramener Mouyo dans le sens, chaque monde doit gagner, chaque parti politique doit gagner partisan. Mais nous-mêmes, en définitive, c'est Haïti pour nous. Moi-même, je pense que ça qui est important pour le moment, c'est ça, nous-mêmes, leaders. Nous devons faire pour retirer Haïti dans la situation. Ça. C'est ça, nous devons regarder. La première chose, moi-même, moi, je crois que, au lieu que chaque porte garde son bagaille disparate, isolé, il faut que nous voyons comment, même si nous n'avons pas des consensus,
comment nous cachita sur la table pour nous faire nos solutions à la haïtienne. Un. Deuxièmement, comment pour nous dire dans le fond de transition pour ne pas fâcher par rapport à tout ça qui a déroulé là et qui n'a pas gagné résultat. Deux. Troisièmement, comment choisir des mondes qui ont même au départ pas partisans et qui est partial qui a mené transition dans une situation que toute partie a allé dans l'élection et que nous avons des dirigeants légitimes. Et que, cinq, que l'élection sera une fois réalisée dès que nous conformes, eh bien, nous accepter justement gouvernance, nous accepter gouvernance de monde qui est élu pour que l'IFEL libère le pays démocratiquement pendant 5 ans. Donc, c'est ça en général, nous devons poser, mais les libres à la valace que quitter Mondana, mais la valace doit connaître, comme Haïti en action doit connaître, même si je dis à peine lui-même la place de manifestation, mais il doit connaître que tout doit être résolu à partir d'une table, que nous, Chita, nous jouons un consensus qui va permettre une neutralité dans l'élection et une transition coupée fâchée. Merci à Pierre Sénateur. De quoi t'en fais-tu parler ça avant? À moi de vous. Yuri la tortue, les amis auditeurs. Sans transition honorable, sans trop commenter. Bon, nous proposons.